بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكونتيني نو شابيتر لو فضل الذكر لإكسلنس دو ذكر الله. حديث 1434 وعن أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها rapporté par mama de bonne croyante Sayyidatuna Umm al-Mu'minin Juwayriya bint al-Harith رضي الله عنها, donc épouse de Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, li rapporté anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kharaja min 'indiha bukratan hina salla as-subha wa hiya fi masjidiha. Il rapportait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin sorti depuis Kotli Bukratan, ça veut dire bonheur grand matin, hina salla subh, après qu'il fin fait namaz fajr. Wa hiya fi masjidiha, eli donc Juwayriya radiyallahu anha, li chi dans so masjid, ça veut dire masjidi baytiha. Alors ça, masjid là, c'est pas masjid qui nous dit ici, dans la case, un jimon, un madame a une place pour lui faire namaz. Et sa place là, li meilleure, qui c'est place privée, place plus privée qu'il y en a, place plus retirée qu'il y en a. Donc sa place là, madame là fait namaz dans ce privé, comme on nous connaît dans les autres hadiths mentionnés, qui une madame son namaz qu'il y fait là-bas, les plus bon qui son namaz qu'il y fait dans une place qui est moins privée. Par exemple, son namaz là-bas, dans Masjid Baytiha, les plus bon qui namaz qu'il y fait par exemple dans ce salon, et ça, les plus bon qui namaz qu'il y fait dans, par exemple, ce lac où, donc plus dans le privé, plus libon, madame la fait namaz. À cause ça, appelle ça, sa place en avalère, donc appelle-le masjid ibaïti, ha masjid sur la case. Comme on nous connaît, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, salatul mar'ati fi masjid ibaïti ha, namaz qu'elle madame fait dans masjid sur la case, sa place là, ka salati ha fi masjidi hada. Il paraît comment son namaz l'y fait dans mon masjid qui ici, donc c'est masjid nabawi, quand madame fait namaz dans sa place privée sur la case là. Alors, il y a un sawab pour Mazel il fait namaz dans Masjid Nabawi. Alors, donc, Rasul sallam, donc, il sorti depuis que Sayyidatuna Juwayriya, radiyallahu anha, grand matin bonheur, après namaz fajr, il quitte dans ce masjid sur la case, il fin sorti. Thumma raja'a ba'da an adha, wa hiya jalisa. Après, quand fin arrive l'air adduha, c'est l'air côte soleil fin levé et fin arrive assez haute dans le ciel, vers les 10 heures à peu près. Sinon, on va mettre ça. Donc, depuis Namaz Fajr Bonheur jusqu'à Salé là, tôt dans la matinée, nous allons dire 3-4 heures de temps, capable même plus, il trouve lui encore puis assisé même place. Donc, il est encore puis assisé, il peut faire zikar. Fakol, là, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, j'ai dit, ma zilti ala l'hal, allati faraqtuki alayha. Tu es encore au même état dans lequel moi tu quittes toi. Qui hal ça? C'est pas hal assisé, c'est pas hal dans même place, non, c'est qu'il peut demander. Oui, il continue assisé dans même place, mais hal qui peut demander là, c'est ton corps peut faire zikab. Donc là, nous soulignons une affaire extrêmement importante. C'est qui quand namaz fajr finit, les namaz fajr là, avant et après, surtout après, c'est un lair privilégié, c'est un lair que là, besoin de faire zikab là. Malheureusement, nous, dans l'époque, surtout là, avec l'hiver, namaz in winter, donc, comme namaz fini, nous besoin, galoper, à rentrer dans Dunia, à le préparer, à le travailler. Là, on arrive tard, là. Sinon, idéalement, nous assiser, nous faire zikar. Nous lire le Coran, nous faire, ben, différents azkar qu'il y en a pour lire après namaz fajr, tous les grands matins, lire le Coran, jusqu'à qu'il soleil levé, 15-20 minutes après qu'il soleil levé, nous faire salat, tous les shraq. Pas le dormi, ça l'est là. Après ça, si on est fatigué, on le dormi, on est si on peine pour le travail, pour l'école. Donc, ça l'est là, c'est un lieu privilégié. Nous trouvons ici, Rasoul Salam, il montre nous ça, ban sahaba, sahabiya, puis montre nous ça. Et tout nous ban mashaïk, tout nous ban, tout ban aulia, fin faire ça. Et tout nous ban oustad, fin montre nous. Après fajr, pas dormi. Tout de suite après fajr, pas dormi. Faire zikar, parce que c'est un lieu privilégié, ça. Même si un jimoun, par exemple, il y en a pour travail, il y en a pour comment se préparer, une madame besoin rentre dans la cuisine, il y a besoin comment se préparer, monsieur là, il y a besoin prendre la route, continue faire zikar. Dans la cuisine, l'eau volant, continue faire zikar.
pas gagner l'occasion lire sura yasin continue lire ou pas gagner l'occasion faire man tasbihat continue faire li garde un tasbih dans le tout dans la cuisine par là trouve un moyen continue faire Allah sojika. Alors Rasoul sallam donc il nous a dit sa question là, est-ce qu'il est encore le même l'état, ça vient encore peut faire zikr qalat na'am li jawi. Alors فقال النبي صلى الله عليه وسلم, le prophète صلى الله عليه وسلم dit لقد قلت بعدك اربع كلمات ثلاث مرات. Après qu'il m'a fait une kitwa, il m'a fait dire quatre paroles trois fois. Ces quatre paroles là m'a fait répéter trois fois. لو وزنت بما قلت منذ اليوم, si motiena pour peser dans balance en comparaison avec ce que toi tu fin faire depuis grand matin là. Donc en d'autres mots, si nous capables comprendre, Rasoul sallam sallam peut dire lui, moi je fin lire quatre paroles trois fois et toi tu fin faire autant zikar depuis grand matin fajar jusqu'à astel là, 3-4 heures de temps zikar. Si nous n'a pour payer ça le balance pour comparer lui, la wazanat hun. Alors ce qui m'a fait faire là, les types égal, les types faire pareil, ou soit les types plus qui, ce qui toi t'en fais là. Ça quatre paroles là. Donc là nous trouvons, il y a un zikar qui est bien intéressant, bien puissant peut venir, à travers laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous peut faire tigin, nous peut dire tigin, nous peut donner nous beaucoup. Quatre paroles, les lit trois fois, les équivaut, comme à dire, un dimon qui n'a cisé depuis Fajr jusqu'à 10h, 11h, grand matin. Alors qui parole ça? Rasoul sallam dit subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Nous apprenons ça, il n'est pas difficile pour apprendre, et tous les grands matins nous les lisons trois fois. C'est même ça quatre paroles là. Premier, subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi. Deuxième, warida nafsihi. Troisième, wazinata arshihi. Et quatrième, wamidada kalimati. Qui veut dire ça? Subhanallah, il veut dire pureté à Allah. Contre tout bon quelque chose, bon mauvais quelque chose qui est attribué à lui. Subhanallah, wabihamdihi, ça nous les apprend. Pureté à Allah et louange, tout louange pour Allah. Qui quantité nous fait subhanallah? Qui quantité nous fait alhamdulillah? Allah se tasbih avec ce tahmid. Adada khalqihi, quantité, la création qu'il y a là. Quantité, quelque chose, qui Allah fin créé, sa quantité là nous faire tasbih avec tahmid. Qui quantité ça? Une quantité innombrable, nous pas capables de compter. Et subhanallah wa bihamdihi, deuxième, qui quantité nous fait ça? Wa rida nafsihi. Rida nafsihi, ça veut dire quantité qui Allah lui-même les satisfait. Nous pouvons dire subhanallah, alhamdulillah, Allah les pour satisfait définitivement, mais qui quantité nous pour faire les satisfait bien, alors ça beaucoup nous pour besoin faire, une quantité qui jamais nous pour capable faire. Mais seulement nous dit Allah, fais comme à dire, nous fin faire les une telle quantité qui te fin satisfait avec nous. Mais une grande parole, beaucoup meaning. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, c'est une parole extraordinaire. Troisième, subhanallah wa bihamdihi, donc ça est sous-entendu, qui quantité? Wa zinata arshihi. Zinata arshihi veut dire poids qui sont arsh pesé. Et dans beaucoup de monde, je fais rire, là, je dis wa zinata arshihi. Nous connaissons un autre mot dans l'arabe qui appelle zina, avec un ya. Zina veut dire décoration. C'est pas ça, hein. C'est pas décoration, trône, ça. C'est zina, pena ya, pena longue voyelle, zinata. Zina qui veut dire, il est sorti dans le mot wazana qui veut dire pesé, mettre le balance. Alors, quantité lourd qui sur arsh était. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala sur arsh qui quantité lourd était, c'est une expression. Nous pas pouvons apaiser Allah sur arsh. Donc, li avoyons-nous vers l'extrême. Comment dire, une quelque chose qui jamais nous pouvons pas apaiser et une quelque chose qui, comment dire, li al à l'infini. Une quelque chose qui peine à la limite. Comment dire, sa quantité-là, nous peut dire, nous peut faire Allah sur hamd, Allah sur tasbih. Et, faudrait pas nous penser aussi qui arsh Allah subhanahu wa ta'ala. Nous essayons d'imaginer lui. Et dans beaucoup de monde, je t'imagine lui comme un lili, comme un accoudoir, comme un 16, comme un grand trône. Faudrait pas nous imaginer lui. Ce qui peut venir dans nos imaginations là, nous besoin dismiss lui, nous besoin dire à nous-mêmes, il n'est pas comme ça. Tout ce qui m'a fait capable d'imaginer, il n'est pas comme ça. Parce que si m'a fait réussir, imaginer lui, alors pas lui ça. Faudrait pas nous penser arsh comme un quelque chose qui Allah n'assise l'eau là, n'a'oudou billah, comme à beaucoup. Malheureusement, nous sommes allemands, même dire.
istawa alal arush, pas veut dire qu'il y fin assise le ce trône, c'est pas libéré tout en une direction. Tout ça là, c'est ban quelque chose. Quand nous tant ça, nous besoin dire subhanallah, parce que c'est ban quelque chose qui pas approprié pour Allah subhanahu wa ta'ala. Comment arush là était Allah lui-même l'y connaît, subhanahu wa ta'ala. Donc nous connaît arush là l'y grand, définitivement l'y bien grand. Donc wazina ta arushihi, quantité qui ça arush là l'y lourd. Wa midada kalimati, et quantité kalimat, kalimat veut dire parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire qui quantité Allah so kalamina. Alors qui quantité ça, alors nous pas pour connaître li innombrable, ça nous pas pour capable arriver compter comme on dit, c'est ban l'idée, c'est ban quelque chose qui a mais qui a voyé nous vers l'extrême, qui comment dire nous dit nous pas pour capable peine à limite. Alors kalimatullah comment nous lire dans le Coran, قل لو كان البحر مدادا, si la mer tivin midad, nous retrouve ça mot là, nous traduit li comme allant, قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي, si la mer tivin une façon pour compte quantité de Allah subhanahu wa ta'ala subhan kalimat, لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي, la mer ti pour fini kalimat to rab pa ti pour fini kalimat mo rab pa ti pour fini, walau jitna bimithlihi madada, et même si nous sommes dans l'autre la mer pareil comme ça, et dans l'autre ayat Quran Allah subhanahu wa ta'ala dit, si la mer tu viens langue et tout ban pied tu viens plume et tu écris Allah subhanahu kalimat zame, Allah subhanahu kalimat parti pour fini, la mer tu pour fini, même si nous sommes sept fois encore comme ça la mer. Donc Allah subhanahu kalimat li illimité, Allah subhanahu wa ta'ala li peine à limite. Ça aussi malheureusement il y a beaucoup de musulmans qui donnent Allah limite, na'udhu billah. Donc Allah li peine à limite. Donc en d'autres mots, nous peut dire mo peut faire Allah sur tasbih, mo peut faire Allah sur tahmid dans une façon qui peine à limite que nous mêmes nous pas capable de compter. Nous compter nous dire 100 subhanallah, 100 alhamdulillah, hier nous fin apprendre un jimon ni dire 100 subhanallah, alors il gagne 1000 sawab, 1000 péché effacé pour lui. Mais là nous peut dire aussi qui nous lie li, nous pas capable lier li quantité qui besoin. Alors faire comment dire, oh Allah, accepte-li, comment dire, moufin li, sa quantité illimitée là. Quantité qui, création qui tu es là. Quantité qui toi-même te pour satisfaire, quantité qui, li équivaut à poids de trône et quantité qui, ban parole qui tu es là. Alors ça, ce bienfait, li énorme. Donc là, li donne nous un exemple, qui quantité Allah contre nous, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, qui quantité cadeau, li donne nous. Et là, c'est un cadeau, nous dit un petit parole, nous gagne une quantité innombrable de sawab, comme a dit un djimoun l'in assisé 3-4 temps, l'in fin faire zikar. Seulement pour nous gagner ce bienfait, il faut de nous prononcer bien, il ne faut pas nous faire erreur là-dedans. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arushihi wa midada kalimatihi. Fais attention à banlet, ina aïn, ina kha, ina qaf. Donc nous faisons un zéfo, nous prononcer bien avec ce makharij. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته امام النووي رحمة الله عليه لي منشن بان les autres روايات qui viennent dans sa même dua dans sa même zikr là. Alors وفي رواية رواية له ان l'autre روايات pour imam muslim même إنا سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله مداد كلماته. À chaque fois, il répète سبحان الله. Mais peine à hamdih. Avant chaque formule, avant chaque, ça ban quatre éléments là, il répète سبحان الله. إن لط وفي رواية الترمذي إمام الترمذي رحمة الله عليه لي دس رواية لمتي إن لط version. رسول صلى الله عليه وسلم قال ألا أعلمك كلمات تقولينها, est-ce qu'il te parlait, me montrait-toi une parole qui te peut dire سبحان الله عدد خلقه سبحان الله عدد خلقه سبحان الله عدد خلقه. Donc il dit ça trois fois. Après il dit سبحان الله رضا نفسه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله رضا نفسه, et il dit ça aussi trois fois. Troisième formule là, il dit les trois fois encore سبحان الله زينة عرشه سبحان الله زينة عرشه Subhanallah zinata arshihi, et la dernière là aussi il y a trois fois Subhanallah midada kalimatih Subhanallah midada kalimatih Subhanallah midada kalimatih. Donc N, nous l'y a dit trois fois, ou soit nous l'y a dit formule la net trois fois.
Alors, ce qui est plus facile, ce qui nous fait apprendre depuis enfant, c'est Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Tous les jours, nous lisons ça trois fois. Après Namaz Fajr, alors nous pouvons savoir sa quantité. Qui, comment dire, nous finissons à 6h, nous finissons à faire zikal jusqu'à 14h dans la matinée. Et, comment dire, une demi-journée zikal. Alors nous faisons droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne-nous taufiq, apprendre ça avant quelque chose là, gagne ça avant trésor là, donne-nous taufiq, pratique-le. Et surtout, qui ça, comment dire, est imbibé dans nous l'esprit, dans nous les cœurs, son meaning, parce que son meaning est beaucoup important. Et dans Allah, son grandeur là-dedans. Et dans Tawhid là-dedans, et dans nos akhidah là-dedans. Et dans nos saluts là-dedans. Et dans sa parole qui Allah subhanahu wa ta'ala plus content là-dedans. Alors qui Allah subhanahu wa ta'ala donne nous taufiq, faire-li, pratique-li, lire-li tous les jours. Nous, avec nos bonnes familles, nous enseignons ça avec les autres. Et qui Allah subhanahu wa ta'ala accepte ça de nous. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallillahumma ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim.